de la mer, je te croise dans la rue, je t'arrache la tête, frérot. T'as compris? Poto, s'il n'y avait pas eu mon histoire de couple, d'accord, tu ne serais jamais passé ni sur BFM, ni sur 50 Minutes Inside, tu serais en... Tu t'es dit meilleur ami de Nabila, frérot, mais Nabila, elle ne te connaît pas, frérot. On te connaît de où, nous? On ne te connaît pas, on ne sait même pas qui tu es, on ne sait même pas avec qui tu baises. Mais frère, qu'est-ce qu'il y a? Donc Jérém, si tu fais peur à tous ces candidats, frérot, moi, tu ne me fais pas peur parce que je ne suis pas un candidat, t'as compris ou pas? Hein? Je suis pas un candidat comme les autres. Donc si tu as un problème avec moi, tu viens me voir. Frère, n'oublie pas que tu m'as payé 10 000 euros pour venir dans ton bain, frérot. Tu m'as payé 10 000 euros pour venir dans ton bain, en cloche que tu es là. Oh, tu m'as payé 10 000 pour venir dans ton bain. Fais le bourreau avec Ardi. Eh ouais, frérot. N'oublie pas que tu m'as payé 10 000 pour venir dans ton bain. Donc avant de parler sur mon couple, renseigne-toi. Parce que nous, on vit des trucs, frérot, que tu n'as jamais connu. T'as compris? Donc nous, ça va en prison, ça va à l'hôpital, mais on se réconcilie toujours. Donc nous, on s'est embrouillé, il n'y a pas de problème. Ok? T'as voulu faire un article comme qu'on s'embrouille, y'a pas de problème. Maintenant, on s'est rabibouillé. T'es jaloux ou quoi? Qu'est-ce qu'il y a? T'es hétéro, t'es bi ou t'es homosexuel? Faut savoir. Qu'est-ce qu'il y a? Tu manges de quel côté? Dis-moi, frérot. Donc, regarde où tu vas, arrête dans mon assiette et mange ton plat. T'as compris ou pas? Au cloche que tu es. Moi, je vous dis, hein, c'est simple. J'ai envoyé un message à Jérém. J'ai dit, voilà. Jérém, dis pas n'importe quoi, tu connais pas nos histoires de couple, dis pas que c'est bidon, frère, parce qu'on vit des histoires. De ouf, Nabila et moi. Donc lui, il se permet de dire histoire bidon. Je lui envoie un message, je lui dis pas que c'est bidon, non, non, il me dit va te faire enculer. Mais frère, qu'est-ce qu'il y a, frère? Oh, redescends, Jérém, frère, ça y est, je travaille avec Ardisson, ça y est, tu crois que c'est qui? Tu crois que c'est Hanouna ou quoi? Oh, oublie pas, frère. Hein. Oh, frère, c'est nous qu'on t'a fait. T'étais rien, frère. Sans les candidats télé, t'as rien, frérot. Toi, t'es personne, t'es dégain. Tu pleurais Secret Story pour le faire, frère. Je faisais mon casting, moi, la vie de la mère, on venait de me dire quoi? Jérém Stein, passé, il veut faire casting des Secret Story, frère. T'es dégain. Frère, c'est parce que tu fais des interviews des candidats de réalité, mais le jour où ils feront plus d'interviews, frérot. Parce que moi, tu m'as payé pour une dans ton main 10 000 euros. Pas, comme je te l'ai dit tout à l'heure. Frérot, n'oublie pas que t'es dégain. Oh, tu es qu'un fan. À la base, Jérém, je te regarde dans les yeux, tu n'es qu'un simple fan. Tu n'es rien. Moi, frère, je suis pas ton ami, moi. Hein? Personne n'est ton ami, sache-le. T'as personne avec toi. Quand t'envoies des messages que tu dis que t'as pas d'amis, c'est vrai, t'as pas d'amis. Ok? Donc reste tranquille. Tu parles à tes Pollux ou à tes qui tu veux, frère, mais pas à moi, t'as compris ou pas? Parce que la tête de ma mère, je te le dis comme ça sur Snapchat, frère, je vais t'attraper dans Paris, je vais te casser la... T'as capté ou? Je te le dis vraiment, je vais te niquer ta mère. Donc calme-toi, va te faire enculer, tu dis à qui tu veux, mais pas à moi. Au fatigué. Donc si tu veux faire le maître chanteur, ce que tu veux, fais-le frérot. Moi, il n'y a pas de maître chanteur avec moi. Fais-le avec les petits, pas avec moi. Moi, toutes mes conneries, tous mes excès, toutes mes bêtises, elles sont toutes sorties. Rien. Il n'y a rien. Par contre, que toi, t'es une merde, frérot. Ça...